James Dean est mort aujourd'hui. Celui qui avait une grande soif de vie n'est plus. La présence de James Dean, personnage principal du film, a été possible grâce à l'utilisation des images cinématographiques de l'époque et des enregistrements de sa voix, et grâce à l'exploitation des photos de plateau. Tous les personnages de ce film sont réels. Chaque personne y joue le rôle qu'elle a tenu dans sa vie. Son dernier film fut Géant. Il sortit plus d'un an après sa mort et Hollywood lui réserva le plus bel accueil de toute la décennie. À l'affiche, son nom apparaissait après ceux des deux autres stars, mais le roi de la soirée, c'était lui. Dès la sortie du film, les spectateurs ont tous répondu présent. Ils étaient tous là pour voir leur idole une dernière fois. Chacune de ses apparitions à l'écran était accompagnée d'ovations de la part du public. Après tout, c'était ses admirateurs et ses admiratrices qui avaient créé James Dean. Ils refusaient sa disparition. Alors, pour ne jamais l'oublier, ils ont fait de son nom une légende. De l'état du Maine à Manille, de Tokyo à Rome, il semble exprimer des sentiments que la jeunesse de l'époque n'arrivait pas à expliquer. La fureur de vivre, la révolte et l'espoir. Cette jeunesse prenait soudain conscience de ce que grandir voulait dire. Ça signifiait souffrir. Les jeunes s'habillaient comme lui, marchaient comme il le faisait et jouaient les rôles qu'il avait vu interpréter. Et surtout chercher les réponses qu'ils pensaient que leur idole cherchait. Certains d'entre eux avaient trouvé en lui le sentiment d'appartenir enfin à quelque chose. Toute cette jeunesse pleurait la mort de James Dean. Et comme il était mort jeune et qu'aucune femme n'avait été l'élu de son cœur, chaque jeune fille avait l'impression qu'elle aurait pu être l'élu. Les garçons prenaient sa mort violente comme un argument contre leurs parents. Si vous ne faites pas le moindre effort pour me comprendre, je pourrais très bien finir comme lui. C'était un héros, né de leur solitude. Une légende qui était le fruit de leur impatience, leur énergie, leur désespoir. Quel est le lien entre le héros et James Dean? Entre la légende et sa vie? À tous ceux qui ont fait de lui un héros et qui ont créé sa légende, nous dédions ce film en témoignage d'affection, comme une lueur d'espoir. Et s'il y a une réponse à la légende, alors c'est à tous ceux-là qu'elle appartient. Pour distinguer ce héros de la légende, il faut remonter dans le temps à Fairmont, dans l'Indiana, la terre de son enfance. Un journaliste de Hollywood s'était demandé si Fairmont n'était pas une petite ville au charme vieillot. Il se trompait à moitié, c'était une petite ville, mais elle n'avait rien de pittoresque. C'était une ville active, une ville laborieuse où vivaient depuis toujours de braves gens, utiles à toute la communauté. Et la plupart d'entre eux étaient fermiers. Celui-ci, par exemple, nous a dit « C'est une bien jolie petite ville, où il fait bon grandir, croyez-moi. »
Il y a deux façons d'arriver à Fairmont. Nous, c'est par la route. Jimmy Dean, lui, par le chemin de fer. Il avait alors 9 ans. Et le corps de sa mère se trouvait dans le même train. C'était seul qu'il rentrait chez les siens. Toute sa vie, Jimmy aura considéré cette ville avec ses champs environnants comme la source de lui-même, la terre de ses racines. Une terre tranquille où il faisait bon revenir, un lieu où il pouvait se régénérer. La route qui l'avait conduit de la gare à chez lui ce jour-là allait devenir une artère de sa vie. Cette route traverse des champs de maïs et des prairies, passe devant l'église des Quakers où il allait se recueillir. Elle passe aussi devant le magasin de motos et cycles de M. Carter. C'est là qu'il découvrit la vitesse. Cette route longe aussi le cimetière où reposent des générations de Winslow et de Deans. Avant de le conduire au cœur de son enfance, là, la ferme des Winslow, où vivaient sa tante Hortense, son oncle Marcus et Marquis, son cousin. Au début, la ferme lui semblait étrange. Et il trouvait la maison trop grande. On le laissait seul surmonter son immense chagrin. Il était torturé par le même cauchemar, se réveillait en pleurant. En fait, il rêvait de sa mère. Il rêvait sans cesse d'elle. Monsieur Winslow? Oui? Vous avez combien d'hectares? 175. Et qu'est-ce que vous cultivez? Du maïs principalement, mais aussi de l'avoine et du foin. C'est ici que Jimmy a grandi? C'est ça, oui. Il est arrivé à 9 ans, il est reparti à 18. Est-ce qu'il vous aidait à la ferme? Oh oui, beaucoup. Jusqu'à sa première année de lycée, il passait son temps à m'aider au champ et à s'occuper du bétail. Quand avez-vous pour la première fois remarqué ses dons d'acteur? Oh, je dirais que ça remonte à sa dernière année de lycée. Il avait gagné le prix du Théâtre National de Pirou dans l'Indiana. Après, il a continué sur sa lancée. Il est allé à Longmont, dans le Colorado. Et comment expliquez-vous son talent? D'où le tenait-il? Eh bien, vous savez, c'est comme si vous me demandiez pourquoi une truie peut avoir 7 cochons alors qu'une autre en aura 15. Pourquoi la nature est ainsi faite? Et parlez-nous de votre maison. Elle est vieille, n'est-ce pas? Elle date de 1904 et il y a 15 pièces en tout. Venez avec moi, je vais vous présenter ma femme. Voici ma femme, Madame Winslow. Madame Winslow, pourriez-vous nous dire pourquoi Jimmy est venu vivre avec vous? Eh bien, sa mère venait de mourir et nous avions eu toujours beaucoup d'affection pour Jimmy. Alors, quand on a su que sa mère souffrait d'un cancer, nous avons demandé à son père qu'il nous envoie le petit. Par la suite, on a trop souvent lu dans la presse que son père s'était plus ou moins débarrassé de lui. Mais tout ça n'était qu'un tissu de mensonges. C'est nous qui voulions qu'il vienne. Ça nous faisait plaisir de l'accueillir chez nous. Et je dirais qu'il était content d'être avec nous en famille. L'ancienne génération de la famille du petit Jimmy vit à l'autre bout de la ville. Grand-père et grand-mère Dean. Ah, regarde ce qui est arrivé aujourd'hui par la poste. Oh, comme c'est magnifique. D'où cela vient-il? Du Japon, monsieur. Tenez, regardez ce qui est arrivé hier. Nous recevons des centaines et des centaines de lettres du Japon. Pourriez-vous nous montrer des photos de Jimmy bébé, Madame Dean? Voici une photo de Jimmy, il avait 2 mois. Tenez, en voici une autre. Là, il avait déjà 2 ans et demi. Sur celle-ci, on le voit sur un poney. Là, il avait 6 ans. Et c'était à l'époque où il vivait en Californie avec ses parents. Et là, c'est une photo de lui quand il jouait dans l'équipe de basketball de son lycée. Eh ouais. Là, ça correspond à sa 3e année. Voici le lycée de Fairmont. Voici ce que nous a dit son entraîneur. Jimmy n'aimait pas qu'on le dirige.
Il fallait faire attention quand je voulais lui faire des remarques. D'ailleurs, j'ai appris à ne pas lui en faire devant les autres. Une fois, il a marqué 40 points en 3 matchs. Jimmy Dean avait été un gros bébé. Mais pour on ne sait quelle raison, il était devenu un garçon de petite taille. C'est justement cette petite taille qui le poussait à mettre la barre toujours plus haut. D'abord le baseball, puis le saut à la perche, où il a battu le record du comté. Pour finalement abandonner cette discipline. D'ailleurs, oncle Marcus a une anecdote. À s'essayer comme ça au sport, Jimmy a cassé une bonne quinzaine de paires de lunettes. Dès que je lui payais une nouvelle paire, il la cassait. À cette époque-là, j'étais souvent convoqué chez le principal. Tellement souvent que je me disais, autant emménager dans son bureau. Pour la première fois de sa vie, Jimmy révélait une autre facette de son personnage. La peinture, il peignait les choses qu'il voyait, en essayant d'y mettre de la vie, des sentiments. Au moins une fois, il a réussi à réaliser cela. D'ailleurs, il avait fait un tableau représentant sa solitude. Et il n'était pas pleinement satisfait. Il se sentait plus chez lui sur une scène que n'importe où ailleurs, car là, il pouvait prétendre être quelqu'un d'autre. Adeline Nowell était son professeur d'art dramatique. C'est elle qui le prépara à la représentation de Forensics. Madame Nowell, quel texte Jimmy répétait-il à cette occasion? Il avait choisi le texte de The Madame Stories de Charles Dickens. Et qu'est-ce qui le différenciait des autres, à votre avis? Eh bien, Jimmy, comme pour tout ce qu'il entreprenait, s'était plongé dans cette expérience corps et âme. Il utilisait à merveille ses yeux. Je dirais même que c'était ce qu'il avait de plus efficace. Et je crois que ce sont ses yeux qui ont le plus impressionné les professeurs qui le regardaient jouer. D'ailleurs, il a remporté le prix ce jour-là. Ceci est une orchidée que Jimmy avait peinte pour moi. Le jour qui a suivi la première représentation de la troupe de théâtre du lycée, les élèves qui jouaient dans la pièce m'ont offert une belle orchidée. Et je dois dire que c'était la première orchidée que je recevais en cadeau. Jimmy, qui avait participé à la représentation, est venu me voir et m'a fait une bise. Le jour suivant, il est venu dans ma classe pour me demander l'orchidée. Je ne savais pas ce qu'il voulait en faire. Il l'a emmenée dans la salle de dessin et l'a peinte pour moi. Alors, j'ai décidé de garder précieusement ce souvenir. En me l'offrant, il m'a dit, comme ça, vous pourrez la garder pour toujours. Et je suis fière de l'avoir. Monsieur Carter, qui tient toujours le magasin de moto et cycle, nous a dit que Jimmy était vraiment fou de vitesse. Tout le monde l'appelait Dean Vitesse Grand V. Ça l'enivrait, ça le libérait. Monsieur Carter, pourriez-vous nous montrer la moto de Jimmy? Bien sûr, tenez, c'est celle-ci. Elle est la toute première moto qu'il a eue. Elle est de 1947. C'est un modèle de fabrication tchécoslovaque. Elle a un moteur d'une puissance d'un cheval et demi et elle peut atteindre la vitesse de 85 km/h. Quel âge avait-il quand il l'a eue? 15 ans. Il allait où avec cette moto? Nous disposions d'un terrain derrière le magasin. Il appartenait à un voisin. Mais il nous le louait, alors on a construit une piste dessus. Et Jimmy venait souvent s'entraîner, courir sur cette piste, qui d'ailleurs n'avait rien de réglementaire. Il venait souvent, et je dois dire que j'en ai gardé de très très bons souvenirs. Une fois, il est entré dans le magasin. À l'époque, il faut dire que j'avais installé un micro et des haut-parleurs. Alors, il est entré et m'a demandé s'il pouvait prendre le micro. Bon, je lui ai dit que oui, bien sûr. Alors, il s'est installé dans le fond du magasin, il a branché les haut-parleurs, et il a organisé une course pour rire, quoi. Il a fait aligner les copains, il a expliqué quelle sorte de moto il conduisait. Et il commentait les dernières minutes précédant le départ. Puis la course en elle-même, expliquant ce que chacun faisait. Quand l'un des copains était à deux doigts de tomber, il criait, il riait, il disait « ça y est, c'est la chute !» Ah, Jimmy avait beaucoup d'imagination. Bing Traster a une pépinière dans le quartier sud de la ville. Lui et Jimmy avaient une chose en commun, le sens de l'humour. Exemple, cette nouvelle orthographe de l'anglais en fonction de l'accent de la région. Monsieur Traster, avez-vous bien connu la famille Dean? Ah oui, très bien, j'ai connu 4 générations. Vous connaissiez Jimmy? Ah oui, il était avec toute une bande de copains et je les connaissais tous. Quelle impression vous donnait-il? À mon avis, Jimmy avait quelque chose dans la tête que les autres garçons de son âge n'avaient pas.
La vieille ferme Dean est à environ 2 ou 3 kilomètres au sud. C'est là que son père est né et c'est là aussi que son grand-père avait passé toute sa jeunesse. Je ne sais pas s'il était né là-bas, mais son père à lui, enfin c'est-à-dire l'arrière-grand-père de Jimmy, vivait dans cette ferme. Cette vieille ferme avait beaucoup d'importance pour Jimmy. À chaque fois que ça n'allait pas, qu'il n'avait pas le moral, il enfourchait sa moto et fonçait à la ferme pour méditer. Ça lui faisait du bien de se retrouver là où ses ancêtres avaient toujours vécu. En fait, il avait des valeurs spirituelles que ses copains ne semblaient pas avoir. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas maintenant ? Oh, de vieux arbres, quelques arbres fruitiers, beaucoup d'herbes, mais la ferme a changé de propriétaire depuis. C'est plus pareil. Parlez-nous de Coldin. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il était plus ou moins commissaire-priseur. C'était aussi un fermier. Un jour, il est allé à côté de Vanco, c'est au nord du comté de Wabash, pour assister à une vente aux enchères. Et le commissaire-priseur n'était pas là, alors on a demandé un volontaire et Cole s'est proposé. Il a été superbe, il s'en est tellement bien sorti que c'est depuis jour qu'il est devenu commissaire-priseur. C'était le grand-père de Jimmy. Non, c'était son arrière-grand-père. Non, c'était un gars qui était à peu près de ma taille, un peu plus épais, enfin c'était quelqu'un. Peut-on dire que c'est de lui que venait le talent de Jimmy ? Oh, vous savez, il devait peut-être son talent à la famille Dean, ils étaient tous très artistes. Ben, le vieux Cole, l'arrière-grand-père, était lui-même un homme de scène. D'ailleurs, il avait un cousin à Somerville, c'est à environ 8 kilomètres d'ici, en allant vers le sud. Et lui aussi était commissaire-priseur. C'était un homme qui avait toujours des histoires à raconter. Je ne sais pas où il allait les chercher. Toujours est-il qu'il faisait toujours rire tout le monde. Et Cole, c'était pareil. Ça semblait être une régénérescence pour le jeune James Dean, que de se retrouver là où ses ancêtres avaient vécu. Été après été, Marcus le regardait grandir, il l'observait participer à chaque moisson. Et la moisson la plus fructifiante que sa ferme ait jamais connue, c'était ses enfants. Et il considérait Jimmy Dean comme l'un d'eux. Jimmy lui semblait être un garçon heureux, pas vraiment comme les autres, certes, mais pas aussi différent non plus. C'était un garçon qui aimait son jardin et qui aimait le faire fructifier. Un garçon qui aimait jouer avec son petit cousin Marquis, et qu'il considérait d'ailleurs plus comme son frère. Il aimait beaucoup les animaux, parce qu'il lui semblait qu'il l'acceptait tel qu'il était. Et parce qu'ils étaient gentils, inoffensifs. Il avait un chien qu'il avait baptisé Tuck, pour on ne sait quelle raison. Pourtant, aucun autre garçon n'était comme lui, il était le seul. Il avait son monde à lui, un monde secret, sur lequel il nous a laissé seulement 3 portes ouvertes. Celle de l'arbre dans son paysage désert, vers lequel il se tournait quand la solitude le gagnait. Celle de la tombe de sa mère sur laquelle il allait quand l'angoisse le laissait seul sans réponse, comme dans ses rêves. Et celle d'une coupure de presse qu'il avait conservée afin de suivre les étapes de la réalisation de lui-même. Voici ce que sont les besoins de l'homme complet. Le besoin d'amour et de sécurité. Le besoin d'expression créative. Le besoin de reconnaissance et d'amour. James Dean avait sculpté cette statue et l'avait appelée moi. Mais il ne lui avait pas fait de visage. À cette époque-là, il m'a semblé que quelque chose avait changé en lui. Il a commencé à se refermer sur lui-même. Il ne nous faisait plus partager ni ses joies ni ses peines. J'ai pensé que c'était peut-être une crise de puberté. Rien de ce qu'il faisait ne satisfaisait sa soif de vivre. Il envisageait de dire adieu à Fairmont et à son enfance. Et surtout, il ne tenait plus en place. Il fallait qu'il bouge, qu'il parte, quelque part. Et sur sa moto, toutes les routes lui semblaient idéales pour le conduire à la réponse qu'il cherchait. Comment appeler cette image, moi ? Il fallait absolument qu'il trouve. À Los Angeles, il y avait bien plus d'habitants dans un seul immeuble que dans toute la ville de Fairmont et ses fermes environnantes. Et personne à Los Angeles n'avait jamais entendu parler de lui. Ce n'était qu'un individu parmi tant d'autres. En arrivant sur les hauteurs de la ville, il s'est penché au-dessus d'elle et s'est défini une stratégie tout comme il le faisait à Fairmont en hiver, imaginant ce que la terre allait donner l'été. Il se disait que s'il se comportait comme n'importe qui, il appartiendrait peut-être à un endroit. Et il ferait peut-être quelque chose de lui.
et puis il est descendu vers la ville. Il s'est d'abord inscrit à l'université d'UCLA. Au début, c'était un étudiant modèle. Il était tellement fier de lui qu'il a tout de suite écrit à ses grands-parents. Voici la lettre que mon petit Jimmy m'a envoyée peu après s'être inscrit à l'université d'UCLA en Californie. Dans sa lettre, il disait qu'il était très occupé, qu'il avait beaucoup de travail et qu'il allait avoir à travailler pour exploser l'année suivante. Contrairement à l'habitude, il avait de bonnes notes. 4 B, un seul C et surtout un A. Il faisait beaucoup de théâtre à l'université. Il a d'ailleurs joué un rôle dans la pièce que les étudiants avaient montée. Dans sa lettre, il écrivait à sa grand-mère qu'il découvrait quelque chose, qu'il prenait conscience qu'un comédien se devait d'être un intellectuel et qu'il fallait du temps pour le devenir. Sa volonté de se conformer à certaines théories le pousse à faire plus de démarches en ce sens. Il s'est appliqué à cela royalement. C'est pourquoi il adhère à Sigma Nu. Bob, quelle est votre fonction ici? Je suis le président de l'association. Je suis entré au Sigma Nu en février 1952 et Dean, lui, était déjà là. Il est arrivé en 1950, en septembre 50. Il y a quelques mois, nous avons fait des recherches dans nos fiches pour voir si on retrouvait quelque chose concernant James Dean. Et voilà ce que nous avons trouvé, c'est sa lettre d'adhésion au National. Et en regardant de plus près ses registres, nous avons remarqué qu'il y avait un déficit de $45, 4 mois seulement après son adhésion. $45 qu'il n'a d'ailleurs jamais remboursé. Et vous, John, quand avez-vous rencontré Jimmy? La première fois, c'était en 1950, pendant l'automne. Il m'a beaucoup impressionné. Je lui ai parlé plusieurs fois, et il semblait vraiment sincère, même s'il était réservé. Enfin bref, il s'est inscrit à l'association. Mais il était évident que les contraintes, le règlement de l'association lui pesaient. Par exemple, il ne supportait plus, après quelques semaines dans l'association, les réunions du lundi soir. Et ça a été le début de ses problèmes avec notre association. D'ailleurs, c'est ce qui a causé la rupture entre lui et les autres membres. Tout ça s'est terminé par une bagarre avec l'un d'entre nous. Il est parti en claquant la porte et on ne l'a plus jamais revu depuis. Qui suis-je? Se demandait-il. Je ne veux pas être seul. Et je ne veux pas être différent. J'ai besoin des autres, mais je ne peux m'empêcher de les rejeter. J'ai tellement d'amour à donner. Il est allé contempler l'océan, à la recherche d'une réponse. Il était jaloux de sa puissance, de son pouvoir. Il aurait voulu être une de ces mouettes qui virevoltaient dans le ciel. Il enviait leur liberté et leur vol solitaire. Soudain, il comprit qu'un acteur, à l'instar de l'océan, pouvait tout emporter sur son passage. Qu'il pouvait aussi voler telle une mouette, s'envoler au-dessus de la terre et des hommes. Oui, il serait comédien et rien d'autre. Il irait à la conquête de New York et mettrait Broadway à ses pieds. Puis il reviendrait pour conquérir Hollywood. Il s'élèverait si haut qu'il en deviendrait un demi-dieu et qu'on le supplierait de redescendre parmi les hommes. Il vit alors un oiseau mort sur le sable et se mit à pleurer. Mais il avait trouvé sa voie. Jimmy Dean allait devenir quelqu'un. Il avait besoin d'argent pour aller à New York, alors il tourna dans un film, son premier. Le tournage eut lieu dans un manège, dans Griffith Park, et Jimmy était figurant. C'était un film publicitaire d'une minute pour une marque de boisson non alcoolisée. Il fit alors la longue route pour aller jusqu'à Times Square. La ville grouillait de ses 9 millions d'habitants et il essayait d'absorber tous ces visages. Il les croisait partout, dans le métro, dans les bars, sur les quais, à Greenwich Village,
dans les quartiers malfamés, enfin partout. Il essayait de ressentir leurs émotions, l'amour que l'on donne et l'amour que l'on reçoit. Mais moi, je n'ai ni l'un ni l'autre. Je suis toujours spectateur, toujours seul dans la rue. Puis il fit tomber les remparts de son isolement et fit irruption dans la vie des autres. Il volait un sourire, un geste fugitif, le masque de la souffrance. Il se nourrissait des autres, il les dévorait. Il les dévorait pour se créer un visage d'acteur. Son appétit était insatiable tant il se sentait vide, autant que sa valise. Pour lui, le sommeil était une perte de temps. Dormir, c'était passer à côté de quelque chose. Il avait peur de la solitude, peur de ses rêves. C'est pourquoi il rôdait dans la nuit tel un fauve. Il feuilletait les pages spectacles dans les kiosques pour s'informer des programmes cinéma de la 42e et il allait voir 3 films dans la nuit. Et il n'en sortait qu'au petit matin. De temps à autre, il dormait dans un petit hôtel situé dans un quartier qui n'était plus à la mode. Et quand son argent filait, il filait aussi. Finalement, il trouva un second foyer où il était toujours le bienvenu. C'était le Jerry's Bar. À gauche, c'est Louis, le serveur préféré de James Dean. Et à droite, c'est Jerry, le propriétaire du bar. Jerry, que mangeait-il? C'était toujours des spaghettis. D'ailleurs, il disait qu'à force d'en manger, il allait finir par parler italien. La première fois qu'il en a mangé, il n'arrivait pas à les enrouler et ça le faisait rire. Je lui ai montré comment faire et il avait beau essayer, mais il n'y arrivait pas. Et moins il y arrivait, et plus ça le faisait rire. Après, il se débrouillait aussi bien qu'un bon napolitain. Et vous, Louis, vous vous souvenez de lui? Oui, je m'en souviens très bien. Il venait à chaque fois qu'il était à sec, qu'il ne savait pas où aller. C'était à ses débuts. Il me demandait toujours si c'était possible d'avoir une assiette de spaghettis, si le patron n'avait rien contre. Et le patron disait oui, bien sûr. Alors je lui apportais. Mais il ne vous a jamais rien demandé d'autre? Si, il m'a plusieurs fois demandé de lui prêter de l'argent. Mais il me remboursait toujours, dès qu'il décrochait c'était quelque un bon chose. Gars. Et il m'avait dit que si ça marchait pour lui, il ne m'oublierait pas. Mais je crois que vous avez une petite anecdote à nous raconter. Vous voulez parler de la fois où il est arrivé avec une bouteille de champagne? Eh bien, un soir, il est entré avec 3 de ses copains. Il avait une bouteille de champagne enveloppée dans du papier. Et alors, il m'a dit, donne des verres et débouche la bouteille. Alors moi, je lui ai dit que je ne pouvais pas, que c'était contre le règlement de la maison et que je risquais de perdre mon boulot si je le faisais. Je lui ai dit, tu sais bien que tu peux pas amener du champagne de l'extérieur. Commande-en une ici. Et ramène celle-là chez toi. Tu peux en consommer, mais seulement de la maison. Il en a eu tellement marre qu'il a débouché la bouteille et s'est précipité à la glacière. Il a versé toute la bouteille dedans. Et après, il m'a dit, apporte-moi une bouteille. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux, un quart ou une demi-bouteille? Il m'a répondu, apporte-nous 2 bouteilles. Et alors, ils se sont partagés les 2 bouteilles à 4. Qu'est-ce qu'il venait avec ses bongos? Avec ses bongos? Eh bien, il a dû venir 1 ou 2 fois avec. Il les avait en bandoulière. Avec ça, et dans sa salopette, il avait l'air de rien. D'ailleurs, il y avait pas mal de gens dans le bar qui me demandaient, qui c'est ce gars-là? Alors moi, je leur répondais, c'est un bon garçon, et un jour, ce sera un grand acteur. On me prenait pour un fou, et je disais, c'est James Dean. Personne ne voulait me croire. Enfin, bref. Il venait de temps en temps avec son bongo et il se mettait à en jouer. Mais ça faisait tellement de bruit que ça gênait tout le monde plutôt qu'autre chose. Alors j'allais le voir et je lui demandais d'arrêter. Ça ne lui plaisait pas que je lui dise ça. Ah, c'était un garçon... On avait du mal à le comprendre. James Dean disait que derrière les briques et le béton se cachait une ville merveilleuse et généreuse.
Une ville pleine de gens remarquables, tous plus fascinants les uns que les autres. Des gens avec qui il voulait travailler. Des gens qu'il voulait connaître. Des gens dont le nom brillait en haut des affiches. Comme il espérait qu'un jour le sien brillerait, il souhaitait que tous ces gens le respecteraient à leur tour. Leonard Rosenman était un jeune compositeur qui fut par la suite l'auteur de la musique des films À l'Est d'Éden et La Fureur de Vivre. En raison de leur petit budget, ils partagèrent un appartement. C'était un cinquième étage, avec des hublots comme dans un bateau. Jimmy appelait ça un panier à trous avec des murs. Il suffisait à James Dean de se coller le visage contre une fenêtre et d'ouvrir grand ses yeux pour avoir une superbe vue sur Central Park. Ça n'avait rien à voir avec l'Indiana, mais c'était plein d'arbres au pied desquels il aimait s'asseoir. À cette époque, il s'imaginait qu'il était un grand penseur. Un acteur doit tout savoir, tout connaître sur tout ce qui nous entoure, disait-il. Mais dans sa course effrénée vers l'inconnu, il s'arrêta brusquement. Il était devenu sédentaire suffisamment longtemps pour se lier avec une jeune femme. Arlene Sachs. Je le connaissais, oui. Une fois, je lui ai dit que je l'aimais, mais il a fait semblant de ne pas avoir entendu. Et puis, il m'a dit, tu ne peux pas m'aimer, je crois que personne n'en est capable. Nous aimions écouter de la musique classique tous les deux. Les concerts de Bartok, du Mozart. Il me lisait Le Petit Prince, c'était son livre préféré. Parce qu'il se retrouvait dedans. C'était l'histoire d'un petit garçon qui venait d'une autre planète et qui avait planté une rose. Ce petit garçon aimait contempler les étoiles parce que, au fond de lui-même, il espérait que sur l'une d'elles, il y avait une rose qui attendait son retour. Et puis, le petit garçon est mort. Un jour, il jouait de la flûte à bec et il a fait une fausse note. Alors, il a éclaté en sanglots. Je ne l'ai pas supporté et j'ai pleuré moi aussi. Quand il était dans cet état, souvent, il pensait brusquement à quelque chose auquel personne n'avait jamais pensé avant. Ça me faisait rire. Et puis, son esprit s'en allait ailleurs. Je le trouvais absent. Alors, je lui demandais à quoi il pensait. Il disait, je pense à ma mère. Je pensais qu'elle lui manquait. Mais il changeait de conversation et me disait, viens, on va manger un sandwich. J'avais l'impression que ce que je devais faire, c'était d'ouvrir la fenêtre et lui dire, envole-toi, bel oiseau. Il parcourait la ville à la recherche d'un travail. Il écrivait souvent à sa famille dans l'Indiana. Dans ses lettres à sa tante Hortense, il commençait toujours par, ma chère maman. Il écrivait qu'il se sentait honteux de toujours avoir besoin de quelque chose d'eux, mais que si elle comptait lui envoyer un cadeau pour Noël, il préférerait que ce soit de l'argent. Dans toutes ses lettres, à sa tante, à sa grand-mère, il disait qu'il n'oublierait jamais ce qu'ils avaient fait pour lui, qu'un jour, il leur rendrait grâce au succès qu'il espérait qu'il n'aurait pas longtemps à attendre. Enfin, ce jour-là est arrivé. Un soir, c'était un dimanche soir, si je me souviens bien. Je suis arrivé au bar. D'ailleurs, il pleuvait à verse. Jim Dean était là. Il avait une salopette et des baskets. Il était trempé jusqu'aux os. Il avait la chemise ouverte. On aurait dit un bûcheron. Il n'était pas rasé, mais avait les cheveux en bataille. Il a commandé un double scotch. Alors, Louis l'a servi. Je lui ai dit, ça va, tout se passe bien pour toi ? Comme c'était un gentil gars, je lui donnais souvent des conseils, vous comprenez. Mais ce soir-là, il m'a dit, ce soir, il faut absolument que je sois à la hauteur. Alors je dois être détendu. Il m'a dit ça en souriant, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu dois faire? Je croyais qu'il allait faire une bêtise. Mais il m'a dit, j'ai quelque chose à faire qui va vous surprendre. Le moment venu, il s'est levé. Et alors il a dit, il faut que j'y aille, j'en aurai pas pour longtemps. Allume la télévision sur telle chaîne. Tu n'as que ça à faire et tu me verras dans G-Man in Action. T'es un type qui supportait bien l'alcool. Ce soir-là, il avait bu, mais ça se voyait pas. Il est revenu au bout de 20 minutes. Et il pouvait pas s'arrêter de rire. Alors il m'a dit, maintenant c'est toi qui vas me payer un double scotch. Dans les milieux du théâtre, James Dean avait la réputation de l'acteur le plus turbulent de New York. Lors des répétitions, ses professeurs ne pouvaient jamais prévoir ce qu'il allait faire tellement il était imprévisible. Ni s'il allait venir aux répétitions.
D'ailleurs, écoutons ce que nous dit un de ses camarades. Il jouait le rôle de mon neveu. Et je devais dire en parlant de lui, excusez-le si sa conduite est un peu bizarre. Mais comment pouvais-je dire un peu bizarre alors que l'homme que j'avais en face de moi était complètement fou? James Dean se demandait pourquoi il agissait ainsi. Mais il ne trouvait pas la réponse. Il ne voulait pas s'arrêter à la télévision. Il était attiré par un petit bâtiment dans une petite rue. Il y pensait sans cesse, il tournait autour. C'était là que se trouvait l'Actor Studio. C'était là que Lee Strasberg enseignait, de même que Elia Kazan. Il pensait que pour être le meilleur, il lui fallait se former auprès des plus grands. Il fallait qu'il prépare son entrée. Alors il a fait une expérience nouvelle pour lui. Il s'est fait couper les cheveux et a suivi des cours de danse. Il pensait que ça l'aiderait à trouver une certaine légèreté, une certaine grâce. Pendant cette période de préparation, il a rencontré un chauffeur de taxi, Arnie Langer, avec qui il a sympathisé. La première fois que j'ai vu Jimmy, il avait un rendez-vous avec une de mes amies. C'est elle qui nous a présenté. À l'époque, je ne savais pas qui c'était. Il n'avait pas fait de film encore. Bien sûr, il avait fait des choses à la télé, mais mon travail ne me permettait pas de la regarder. Alors pour moi, c'était juste quelqu'un comme les autres. Il est venu chez moi, il était très timide. Il ne m'impressionnait pas. Nous sommes sortis acheter quelque chose à manger. D'ailleurs, c'est moi qui ai payé. Ensuite, nous sommes revenus chez moi, nous avons mangé. Nous étions quatre ce soir-là, mais j'avais l'impression qu'il se tenait à l'écart. Il passait son temps à étudier les gens, à enregistrer leurs mimiques pour les intégrer dans son jeu. Et comme par exemple le lendemain de notre première rencontre, nous avons été voir une audition pour une pièce qui s'appelait Battle Cry. Il a fait croire à quelqu'un qu'il avait été dans l'armée. Parce que, en fait, ce jour-là, il avait décidé qu'il me volerait des gestes, tels que celui-là, frotter mon nez comme ça, et qu'il l'utiliserait. D'ailleurs, il utilisait aussi remarquablement les objets, et il avait une façon de détourner l'attention des autres. Si par exemple quelqu'un disait une réplique, il faisait ça. Et tout le monde se mettait à le regarder faire. Et tout ça faisait partie de sa sensibilité. Il se sentait enfin prêt pour une audition à l'Actor Studio. Alors il s'est adressé à une jeune comédienne qui s'appelait Chris White. Elle aussi préparait l'Actor Studio et il pensait qu'elle pourrait l'aider. Elle raconte. J'avais écrit la scène pour notre audition, mais Jimmy la remania très vite. Nous avons répété pendant 2 mois, mais il ne jouait jamais la scène de la même façon, même le jour de l'audition. Mais son improvisation était tellement surprenante ce jour-là que nous sommes restés sur scène 3 minutes de plus que les autres. Tout de suite après, il écrivit chez lui. Sa lettre était pleine d'enthousiasme sur ses répétitions. Il était fier d'annoncer qu'il était devenu membre de l'Actor Studio. C'était pour lui un grand honneur que de fréquenter une grande école où des noms prestigieux l'avaient précédé. Marlon Brando, Monty Clift ou encore John Alec. Et lui, James Dean, était le plus jeune élève jamais inscrit. Il en était fier. Lee Strasberg disait de lui que c'était un acteur d'instinct, mais ô combien timide, susceptible dès que quelqu'un cherchait à le découvrir. Et le jour où Lee Strasberg critiqua la scène qu'il avait jouée, il s'enfuit de l'Actor Studio et n'y remit jamais les pieds. Puis on lui proposa son premier contrat pour une pièce à Broadway. Monsieur Ross faisait office d'attaché de presse pour la pièce Six Jaguars. Je regrette de dire que pour son premier bain public au théâtre, James Dean n'a pas spécialement fait une bonne prestation. La première eut lieu un jeudi soir, si mes souvenirs sont bons, et la dernière eut lieu le samedi de la même semaine. Les critiques n'ont pas aimé. Puis il apparut dans L'Immoraliste, la pièce d'André Gide, mise en scène par Ruth et Auguste Goetz. James Dean figura au milieu d'une excellente distribution. Geraldine Page, Louis Jourdan et David G. Stewart. Il tenait le rôle d'un jeune arabe et il devait danser avec beaucoup de sensualité.
Son personnage avait toujours vécu dans le désert et faisait irruption dans la vie d'un couple s'interposant entre le mari et la femme et finalement les détruisait. Après la première, les critiques voyaient en lui un comédien brillant et une future grande star. Ça lui rappela l'océan dont il avait été jaloux et les mouettes dans le ciel. Il sut alors qu'il avait enfin trouvé son pouvoir. Le monde du théâtre lui avait ouvert ses bras. Mais deux semaines après la première, il quittait la pièce à la suite d'une empoignade avec le producteur. À Broadway, il avait la réputation d'être un rebelle. Il s'était privé lui-même de tout ce dont il rêvait le plus au monde. Il s'était privé du plaisir que son succès pouvait lui procurer. Tout comme le respect qu'il pouvait inspirer à ceux qu'il admirait au plus haut point. Il s'en était privé. Il avait tout gâché. Pourquoi faut-il que je détruise ce que je construis, se demandait-il. C'est au pied d'un arbre de Central Park qu'il alla méditer. Il adressa une lettre à son cousin Marquis pour le remercier de lui avoir envoyé des dessins. En fait, c'est à lui-même qu'il écrivait. Cher Marquis, nous avons demandé à Marquis s'il se souvenait de la lettre de son cousin. Voilà ce qu'il nous a répondu. Jimmy m'avait dit qu'il tenait à me remercier pour mes dessins. Mais il voulait surtout me conseiller. Il disait, c'est facile de dessiner des soldats et des gens qui s'entretuent ou des barreaux de prison. Mais que je n'aurais pas dû les dessiner parce qu'elles ne le méritaient pas. Il disait aussi que je vivais sur une terre que Dieu avait bénie. Une terre avec des arbres, des rivières, la mer, et des animaux comme ceux que j'avais autour de moi, et des maisons avec des portes, qu'on peut ouvrir quand on le désire. Il disait, voilà ce qu'il faut dessiner. Et tout ce que tu as à faire, c'est de regarder autour de toi. Et Marquis nous raconta comment James Dean avait fini sa lettre. Toutes ces choses sont plus dures à dessiner parce qu'elles sont plus dures à savoir. Avec toute mon affection, Jim. Un jour, il a décroché un gros contrat et on ne l'a jamais plus revu. Il est parti faire du cinéma. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? La dernière fois, avant qu'il parte en Californie. À Hollywood, pour tourner dans un grand film. Nous avons fêté son départ et je ne l'ai plus jamais revu. Tout le monde dans le bar me demandait, mais qui c'est ce gars-là? Et moi je répondais, c'est James Dean, c'était quelqu'un, je ne sais pas, on avait du mal à le comprendre. Il s'envolait pour rejoindre l'équipe d'Elia Kazan. Kazan avait choisi James Dean pour jouer dans « À l'Est d'Éden » parce que pour lui, il correspondait au personnage. Il était à la fois rebelle et un grand solitaire. Et il était méfiant. Rares étaient les personnes à qui il ouvrait les portes de son monde intérieur. Envole-toi, bel oiseau, envole-toi. Envole-toi, bel oiseau. Il se retrouvait plongé dans l'univers le plus dangereux qu'il n'eût jamais connu, se méfiant de tous. Il notait le nom de ses éventuels ennemis, l'œil scrutateur, l'oreille impitoyable, le public. Méfiance, disait-il, il pourrait m'abîmer, il pourrait m'écraser, pourrait me pétrir, et mieux, me remodeler à leur image. Il s'installa dans sa loge au studio. Il y cachait un revolver, ça le sécurisait. Mais l'arme fut découverte et confisquée. Il fit l'acquisition d'une nouvelle moto, il avait toujours cette soif de vitesse en solitaire. Il portait toujours ses vieux vêtements parce qu'il avait besoin de se raccrocher à quelque chose de familier dans un univers qui lui était étranger. Jamais il n'aurait jugé quelqu'un à ses habits.
Mais ce n'était pas le cas d'Hollywood. Quand il sillonnait les rues de la ville, comme il l'avait fait à Times Square, tout Hollywood s'exclamait. Regardez ses bottes. Mais pour qui se prend-il? Marlon Brando? Mais plus on le critiquait, plus il refusait de se plier. Il avait le sentiment de posséder si peu qu'il lui fallait défendre ses choses avec la dernière fermeté. Il attachait de l'importance aux biens matériels. Pouvoir s'acheter ce qu'il désirait signifiait que quelqu'un le choyait, même si ce quelqu'un n'était autre que lui. Et lorsqu'on lui cassa le phare de sa moto, il se mit à pleurer comme un enfant, comme si c'était lui qui avait été blessé. Le Villa Capri lui rappelait le Jerry's Bar de New York. Il s'y sentait bien, parce que Potsy et Billy étaient un peu comme Jerry et Louis. Il le prenait tel qu'il était, et il ne lui reprochait aucunement sa méfiance. Il avait l'habitude de venir chez nous, presque chaque soir après son travail. Il était toujours habillé en salopette, comme les terrassiers ou les gens des travaux publics. Il n'avait rien d'élégant, d'ailleurs je ne l'ai jamais vu bien habillé. Avait-il de l'humour ? Ah oui, beaucoup. Souvent, quand il venait, il s'asseyait là où je suis, assis, et il se mettait à baragouiner quelques mots d'italien, il aimait cette langue. En fait, il apprenait l'italien. Je me souviens aussi qu'il nous arrivait de ne plus avoir de table libre, alors il allait dans la cuisine. Il restait dans un coin et il ne dérangeait personne. Je dois dire que c'était un garçon bien, vraiment bien, on n'avait rien à lui reprocher. Mais notre clientèle était essentiellement composée de stars d'Hollywood. Alors, comme Jimmy était là presque tous les soirs, il avait l'habitude de les voir. Il était un peu leur coqueluche. Milton Berle, Sammy Davis Jr. James Dean s'efforçait de les croire quand il lui disait qu'il l'adorait. Quand il commença à travailler sur le tournage de Alès des Dead, il réalisait qu'un acteur de cinéma devait se lever plus tôt que tout le monde. Il avait confiance en Kazan parce que Kazan lui faisait confiance. Il lui permettait d'interpréter son rôle à son rythme. Ils avaient un code. Quand James Dean était prêt, il sifflait. À ce signal, Kazan savait qu'il pouvait commencer. Moteur. Action. La critique de William Zinsser dans le New York Herald Tribune n'était pas une simple description de son rôle, mais de James Dean lui-même. Voilà ce qu'il écrivit. Tout en lui suggère la solitude, l'incompréhension d'un garçon de 19 ans. Il semble blessé, tel un orphelin qui essaie d'assembler les éléments épars de son héritage. Il lui arrive de sourire comme d'une obscure plaisanterie qu'il est seul à pouvoir comprendre. On décèle en lui de la méchanceté, mais on ne peut s'empêcher de l'aimer. Avant même la fin du tournage, Hollywood comprit que James Dean serait la plus grosse révélation de l'année. Cela lui donna le courage de croire en lui et de tomber amoureux pour la première fois. Elle combla ses espérances et entra dans sa vie, réveillant en lui un sentiment de compassion et une tendresse pleine d'espoir à demi oubliée. Elle tempéra sa violence et il sentit un calme en lui. Et pour la première fois de sa vie, il s'autorisa à croire que la vie était peut-être possible. Ses nuits n'étaient plus troublées par de vieux cauchemars et il se mit à apprécier l'existence. Et il se mit à la partager. Et cela le rendait heureux. Il rencontra un ami, il déclara, j'ai un ami très proche et je ne me suis jamais senti aussi bien. N'est-ce pas étrange? Eh bien, par ici. Lou Bragard vivait dans un vrai foyer avec un vrai père et une vraie mère et de vrais repas. Eh bien ici, Nick. Bonjour, Lou. Comment s'appelle votre chien? Elle s'appelle Nicolina. C'est un labrador de 3 ans. Et elle avait environ 1 an quand Jimmy venait à la maison. D'ailleurs, il a passé un été entier à lui apprendre à sauter du plongeoir. Elle n'y arrive toujours pas.
Lou nous a invités chez lui pour nous montrer quelques affaires ayant appartenu à Jimmy. Et tout est dans cette boîte. Oh, il y a un tas de choses que Jimmy m'avait demandé de lui garder 2 semaines avant son accident. Il s'agit de... Enfin, il y a un peu de courrier d'admirateurs, mais qu'il n'avait pas renvoyé à son fan club. Voilà quelques photos de Jimmy qui préparait sa voiture avant la course automobile de Palm Springs en 1955. Oui, c'était sa première course. C'est une lettre d'un type qui voulait lui vendre un puits de pétrole. Des numéros de téléphone et une facture du Dinner's Club. Mais voici un petit article écrit après la course de Palm Springs. C'est écrit, la troisième place revient à James Dean, l'acteur de cinéma, et qui participait à sa première course dans un speedster Porsche. Ça, c'est un petit mot de sa blanchisseuse disant que sa chemise était fichue et qu'elle ne pourrait pas la ravoir. Un relevé de banque avec un numéro de téléphone. D'autres numéros. Ça vient du syndicat des acteurs de cinéma disant qu'il n'a pas payé sa cotisation. Encore des numéros de téléphone. Mais je me demande comment il faisait pour ne pas les perdre et où il avait mis le vôtre. C'était sa façon à lui de classer les choses en vrac dans une boîte. Et ça vous étonnera peut-être d'apprendre que Jimmy s'intéressait beaucoup aux affaires. Il avait toujours voulu fonder sa propre compagnie. À vrai dire, il voulait devenir metteur en scène parce qu'il avait l'impression qu'il disposerait de plus d'espace pour pouvoir s'exprimer en tant que metteur en scène plutôt qu'en tant qu'acteur. Alors en fait, il apprenait un peu plus comment s'entendre avec des étrangers. Par ailleurs, les choses qu'on écrivait sur lui lui faisaient beaucoup de peine. Ça l'ennuyait que quelqu'un dise qu'il était près de ses sous et qu'il était irrespectueux parce qu'en fait, il ne l'était pas. Il prenait ses silences pour des signes de je m'en foutisme. Mais il ne voyait pas ou il ne voulait pas voir et qu'il s'agissait d'un garçon timide qui ne savait pas comment faire le premier pas. Et eux, au lieu d'essayer d'aller vers lui, ils se contentaient de le descendre en flammes. C'était à croire qu'il devait toujours perdre ce qu'il chérissait le plus. Il en avait toujours été ainsi, il en sera toujours de même. Ainsi soit-il. Il se remit à errer dans la nuit, à la recherche d'un refuge où décharger sa peine, mais il n'en trouva point. Il s'offrit donc un cheval, lui procura un peu d'avoine et un peu d'affection. Lou Braga en a hérité. Il galope maintenant dans les prairies de Santa Barbara. Il trouva un peu de réconfort en pilotant la Porsche qu'il s'était achetée en guise de consolation. Les percussions aussi lui procuraient du réconfort. Tout comme cet élève à qui il donnait des cours de temps à autre, Glenn Grammer, un jeune acteur, que se passait-il quand personne ne faisait attention à lui? Pour des rendez-vous, par exemple. Eh bien, je ne sais pas grand-chose de ces rendez-vous. Je ne connais qu'une ou deux filles avec qui il était sorti. Lily Cardell, une jeune actrice. Vous êtes originaire d'où? Je suis suédoise. Je suis née à Stockholm. Comment était-il avec vous? Eh bien, nous allions de temps à autre au restaurant, comme le Villa Capri, par exemple, qui était notre restaurant préféré. Et lui, il avait l'habitude de quitter la table sans s'excuser pour aller voir un de ses vieux copains et s'installer à sa table et rester discuter de voiture pendant une demi-heure. Il était également très lunatique. Il pouvait rester plongé dans ses pensées et les abandonner brusquement à la minute qui suivait pour se mettre à rire et à danser, à faire le pitre.
Seulement, ça ne servait à rien de lui reprocher ce genre de choses, parce que ça n'aurait rien changé. C'était à nous de l'accepter tel qu'il était. C'était sa façon d'être. Nicolas Ray, le metteur en scène de La Fureur de Vivre, savait ce que Kazan entendait par « rares » étaient les personnes à qui James Dean ouvrait les portes de son monde intérieur. Et il sut gagner la confiance de l'acteur à sa façon. Il lui fit rencontrer les rebelles. Afin qu'il puisse cerner le personnage de Jim Stark, le rôle qu'il devait interpréter. Le film de Nicolas Ray parlait de la fureur. D'un jeune homme qui souffrait et de sa lutte pour donner de l'affection à un jeune laissé pour compte qui avait besoin de lui, ainsi qu'à une jeune fille qui n'avait jamais connu l'amour. Le personnage qu'il interprétait lui permettait d'exprimer les choses que lui, James Dean, devait garder pour lui. Mais une fois le film achevé, Jim Stark disparut. Le spectacle était terminé. Tout comme l'arbre dissimulait la forêt, le succès n'était rien d'autre qu'une feuille dissimulant l'arbre de sa solitude. Après chaque rôle, l'arbre se retrouvait nu. Et l'hiver revenait le transir. Il savait qu'il ne pourrait jamais échapper à sa douleur, mais qu'une intense activité lui permettrait de l'oublier. Il se levait chaque jour, confiant et plein d'espoir, et essayait de se rattacher éperdument à la vie en s'ingéniant à la saisir avec son objectif. Il s'intéressa à la corrida parce qu'il s'identifiait à un matador. Une silhouette solitaire qui attirait le danger jusqu'à ses genoux. Pour atteindre les limites de la vie, il se sentait le besoin de flirter avec la mort. Il battait le rythme de sa vie sur son bongo. Il riait. Le fracas de ses expériences diverses retentissait dans son existence d'alors. Tout ce vacarme n'était que l'écho de ce qu'il n'avait toujours pas trouvé, de ce qui continuait à lui échapper, cette chose sans visage, qui n'était autre que lui. La star qu'il était avait besoin de retour aux sources. S'il voulait continuer dans la vie de Hollywood, il lui fallait d'abord se retrouver seul avec lui-même à Fairmont. Il voulait savoir pourquoi son succès ne lui apportait pas le bonheur, pourquoi il perdait toujours ceux qu'il aimait. Un ami écrivain avait éclairci cette question une semaine auparavant, car ils avaient dîné ensemble. Non, je ne peux pas t'expliquer, mais je crois que je peux faire un croquis de toi si tu le veux bien. Tu vois ? Ça, c'est ce que nous avons tous, mais que nous ne voulons révéler à personne. C'est extrêmement fragile. C'est le refuge de nos secrets, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est ce que nous avons à protéger. En général, nous construisons des murs tout autour.
des miroirs, comme ceci. Et si nous nous méfions de quelqu'un, nous les utilisons pour ne pas être atteints. Seulement toi, voilà ce que tu as. Les miroirs ne te suffisent pas. Alors tu as ajouté ça, une seconde enceinte. Elle est parsemée d'épines, d'arêtes ou d'éclairs électriques afin d'éblouir les gens et qu'ils se disent « Mon Dieu, ce qu'il est difficile à cerner, mais observons-le de plus près. » Là, tu rencontres un metteur en scène que tu respectes et là, tu agis comme un fou. Et c'est ce qui l'effraie. Là, tu rencontres un homme d'affaires et tu te dis « J'aimerais en être un moi aussi. » Là, tu rencontres un compositeur et tu dis « Mais bon sens, s'il y a une chose que je veux devenir, c'est bien compositeur. » Alors, tu es un homme d'affaires et un sculpteur, un matador, un compositeur, etc. Mais ça, ça n'est pas toi. Tu ne donnes jamais à personne la possibilité de t'aimer ou de ne pas t'aimer, parce que tu ne leur permets pas d'aller au-delà du premier mur. Tu ne dis jamais « Venez par ici et vous pourrez voir le vrai James Dean. » Qu'est-ce que tu caches au milieu? Pourquoi tu repousses les gens? Pourquoi tu penses que tu ne mérites rien? Pourquoi tu t'imagines que tu es si faible et que s'ils entrent dans ton monde intérieur, ils ne trouveront rien et te laisseront tomber? Est-ce pour cela que tu les repousses avant qu'ils ne s'approchent trop? Tu crois que tu n'es que du vide? Est-ce pour ça que tu as aussi peur? En réponse, il dit à cet ami que ce qu'il souhaitait vraiment, c'était de devenir écrivain. Et s'envola pour l'Indiana. De retour à Fairmont, il remit ses vêtements de la ferme et se montra attentif aux histoires que les gens racontaient, des anecdotes sur lui quand il était enfant. Et les sensations enfouies depuis longtemps ressurgirent. L'éternelle sensation de n'être qu'un paria. Il retourna voir son ancien lycée. Il lui fallait croire en son talent, pour oser croire qu'il méritait son succès. Malgré les critiques élogieuses, il ne se donnait pas le droit d'être baptisé le garçon de génie que tout le monde disait qu'il était. Il espérait découvrir une parcelle de talent dans sa famille. Il réalisa cet enregistrement en secret. Il avait caché le micro dans sa manche, alors tendait l'oreille. Vous savez, j'ai eu un rôle dans le film À l'Est d'Éden. Et mon personnage s'appelait Cole. Oui, ça je le sais, je l'ai déjà lu. Je connais toute l'histoire. Ce que je voulais te demander, voilà, je suis passé devant le cimetière. Et il y a un nom qui m'a frappé. C'est celui de mon arrière-grand-père. Cole Dean. C'est drôle, non? Dans le film, je m'appelais Cole. Et c'était le prénom de ton père. Et comment était-il? Est-ce qu'il s'intéressait à l'art? Enfin, est-ce qu'il était doué pour quelque chose? Tu veux pas m'en parler? Il était commissaire-priseur, l'un des meilleurs. C'était l'un des meilleurs que j'ai jamais entendu et j'en ai entendu plus d'un, tu sais. Et qu'est-ce qu'il faut pour être un bon commissaire-priseur? Comment? Non, comment on devient bon commissaire-priseur? Ah, il faut savoir évaluer une bête, il faut savoir juger les hommes aussi. Il faut un don pour ça, quoi. Et comment on fait? Fais la note. Tu peux le faire? Ah ben disons que tu ouvres les enchères avec 5 dollars. Oui. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis 5 dollars, 6 dollars et... Bon, voilà comment on fait. Si on ouvre les enchères à 5 dollars, ça donne 5 dollars. 5 dollars une fois, une fois, qui dit mieux? 5 dollars deux fois, qui dit mieux? 5 dollars trois fois, qui dit mieux? Père sur la main gauche, père sur la main droite, 5 dollars trois fois, as-tu déjà vendu? Et voilà comment on fait, c'est tout simple. 5 dollars une fois qui est mieux, 10 dollars deux fois qui est mieux, 10 dollars trois fois qui est mieux, 10 dollars trois fois que j'ai vendu. Je vais dire ce qui tue un commissaire-priseur, tu vois, petit. Je le sais parce que j'ai connu beaucoup de gens de cette sorte, tu comprends. Beaucoup finissent par avoir trop confiance en eux et ils tirent sur la corde et ils croient qu'ils vont s'en sortir, mais c'est pas vrai. Parce que dès que les gens s'en rendent compte, qu'ils s'aperçoivent du subterfuge, ils ne leur font plus confiance, ils leur tournent le dos et ils l'ignorent. C'est ça qui les tue tous. Oui, c'est ce qui tue les acteurs aussi. C'est exactement pareil. Il nous faut être honnête. Mais il ne put se contenter de cette relation avec Cole Dean. Quand il observait Marquis, il recevait l'image de sa propre enfance. Il lui donnait l'affection qu'il aurait aimé recevoir des autres. What
Et qu'est-ce que tu caches au milieu? Pourquoi est-ce que tu repousses les gens? Pourquoi crois-tu que tu ne mérites rien? Parce que je suis un mauvais, disait-il. Elle ne serait pas partie, elle ne serait pas morte si j'avais été gentil. Elle m'aurait donné tout son amour et pris soin de moi. Si elle n'avait pu m'aimer, qui le pourrait? Toute ma vie, j'ai fait que le mal. Comment pourrais-je mériter qu'on me fasse du bien? Ces sentiments, toutes ces impressions appartenaient à son enfance. Et l'homme qu'il était devenu savait qu'il n'avait jamais été méchant. Sa mère l'avait aimé. Elle était morte parce qu'il en fut ainsi, mais pas à cause de lui. Dès l'instant où il osa faire face à son passé, il fut capable de le ranger précieusement dans le grenier de sa vie, tout comme ses cauchemars. Il observa la statue qu'il avait modelée et réalisa que le visage qu'il avait toujours cherché avait toujours été là. C'était une bonne tête, un gentil visage. Il comprit qu'il n'avait plus besoin d'avoir honte, parce qu'il n'y avait plus que du vide au fond de lui. Il lui était désormais possible de croire ce que les gens disaient de lui. Et dans le film géant, il prouva aux autres que même un homme habité par le mal pouvait malgré tout révéler de la beauté. Il montra les choses qu'il avait apprises étant enfant. Comment mesurer un champ, comme son oncle Marcus lui avait appris. Il acceptait enfin son statut de star. Il se donnait le droit au succès. À son retour à Hollywood, il utilisa son image de marque en participant à une émission de la sécurité routière. Quelle est la vitesse maximale de votre voiture? Je ne voudrais pas vous mentir. Elle doit faire du 180 km à l'heure. Vous avez gagné quelques courses? Oui, une ou deux. Et où ça? Je me suis pas mal débrouillé à Palm Springs. J'ai couru à Bakersfield. On dit que la course automobile, c'est dangereux. Mais la vitesse sur un circuit, c'est quand même mieux que sur une route. Je crois que je ferais mieux de partir. Une seconde, s'il vous plaît. Encore une toute petite question. Avez-vous un conseil à donner aux jeunes conducteurs? Du calme, pas de vitesse au volant, c'est ma vie que vous pouvez sauver. Il s'acheta un nouveau bolide. Jimmy était avec quelqu'un. Je crois que c'était son mécanicien. Ou son copilote. Il s'était assis à la table du fond et il m'a dit qu'il allait à... Je ne me souviens plus vraiment. Je crois que c'était à Bakersfield ou dans ce coin-là. Pour la fameuse course. Et notre cuisinier lui dit, « Tiens, Jimmy, comme on ne te verra pas demain, je vais te préparer quelque chose. » Et le lendemain, il... La route de Salinas traverse l'arrière-pays. Et décrit des lacets à travers les collines de Diablo Range. Le tournage de Géant était terminé. James Dean pouvait reprendre le volant. Il partait pour une seconde course dans son bolide flambant neuf. Il se fit arrêter pour excès de vitesse. Il s'arrêta à prendre un café dans un relais routier. Il se sentait bien. Il savait que quelqu'un prendrait soin de son chat et de son cheval pendant son absence. Mais il ne se souvenait plus s'il avait fait son lit ou s'il avait laissé de la vaisselle dans l'évier.
Ronald Nelson, motard de la police de Californie, lit le rapport qu'il écrivit sur le lieu de l'accident. J'ai reçu l'appel à 17h55. L'accident eut lieu à l'intersection de la 466 et de la 41, le vendredi 30 septembre 1955. C'était une collision de type frontal. Voici les photographies officielles de la police. Il y a eu deux blessés et un mort. Le premier blessé était Donald Jane Turnispeed. C'était le conducteur de la voiture 1. Le second blessé était Ralph Verzerin, passager du véhicule de M. Dean. Le mort s'appelait James Baron Dean, mort avant son arrivée à l'hôpital. Il retourna à ses sources, à son lieu d'origine. Une terre paisible, une terre où il aimait se régénérer. Marquis dit... Il est revenu 5 fois chez nous, en comptant la dernière. La ville s'était tue. Le pasteur déclara... Sa brève carrière fut comme une larme dorée, roulant sur les joues obscures de la nuit. Les membres de son équipe de basket portèrent son cercueil. De toutes les moissons que la ferme avait produites, la plus belle, c'était lui. À quoi se résume sa vie? À peine 300 mois. 300 mois à vivre. À 24 arbres de Noël. À des milliers de matins. À son art qu'il nous a légué et imprimé de sa marque. Que dire de lui? On peut tout dire qu'il méprisait ce qu'il était, qu'il adorait ce qu'il essayait d'être. On peut également dire qu'il nous a laissé 2 cadeaux bénis. Il était capable de ce que peu de gens de sa génération ont fait avant lui. Apparaître dans une salle obscure et que chacun sache qu'il ne sera plus seul désormais. Il pouvait révéler cette qualité unique que la plupart d'entre nous dissimulent, ce sens merveilleux de notre inexprimable douceur. La dernière fois qu'il a fait ce cadeau, c'était dans une scène de À l'Est d'Éden. Une scène unique. James Dean se trouve dans l'ombre au début de la scène. He doesn't love me, never has. This is my son. Aaron, that is, thinks I got a great idea here. And this mother's son, Cal, who saved his money when we were kids and bought him a beautiful jackknife. And you got him a lousy, mangy little old dog you picked up somewhere. Well, he loved that dog, Aaron. He didn't even say thank you for my jackknife. Didn't say nothing. Deserve Dad's love. What I mean is, like, who used to be decent to him and try to make things halfway pleasant? You did? And what have you done?
ever since I can remember, you've growled at him and snapped at him. You can't win anybody's love by fighting them every minute, Cal. You gotta fight with them. You gotta show them that you're on their side. Why don't you give Dad a chance? Why don't you show him that you love him? How? It's so easy. Just tell him. Show him. Why don't you do something for him? Simplest thing in the world. I know it is, Aaron. His own words. Les mots de James Dean sont sa meilleure épitaphe. J'essaie de trouver le courage d'être tendre. Je sais que les gens qui sont violents ne sont que des faibles. Seuls ceux qui sont doux et gentils sont forts. Nous remercions la Fondation à la mémoire de James Dean et la ville de Fairmont dont la participation a rendu ce film possible. La Fondation à la mémoire de James Dean attribue une bourse à tout jeune talent afin de l'aider dans sa carrière créatrice. Child, and love was there to see. Life was so wonderful there. Let me.